Allez, c'est parti. On prépare la nouvelle petite vidéo. Hop là. It was at this moment that Kyle knew he fucked up. Ah putain, le con. Ah putain, je... Ah enculé. Ah. Damn les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Thibaut Jep et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Il fait beau, le ciel est blanc, il fait pas super chaud et que c'est cassé la fenêtre ouverte, putain. Aujourd'hui les gens, petite vidéo pour apprendre à se connaître. On se regarde, on passe du temps ensemble, mais moi aussi j'ai envie d'en savoir plus sur vous, donc mettez dans les commentaires ce que vous voulez sur vous, quelque chose, voilà, qui vous concerne. Corentin Mahomes. Damn Thibaut, pour savoir âge, taille, poids. Alors j'ai 22 ans, je mesure 1m75. Quand je suis en forme, je fais 1m77 et vraiment, 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 quand je suis congestionné, je peux aller jusqu'à 1m90, 2m, mais voilà, pas plus. Et je pèse 75 kg. Nicolas Daniaud, quand tu vas en boîte, il te faut une place supplémentaire pour ton dos énorme. Bonjour, je voudrais une place, s'il vous plaît. Ah, attendez. Allô? Ok, ça marche. Mettez-moi en deux, il y a mon dos qui vient. Ça peut arriver quelquefois, oui. Dimitri Baronnet, il faut changer son programme tous les combien à peu près? Alors, vous pouvez changer votre programme à partir du moment où vous ne progressez plus ou à partir du moment où vous vous ennuyez. Perso, je change à peu près tous les un mois et demi, et ça permet de continuer à rester motivé quelque part. Xavier Flax, Flex. Est-ce que tu donnes de la wave à ton pénis? Tiens mon petit, prends des forces un peu. De quoi? Coupe la caméra, coupe la caméra. Alex Vichot, une rencontre avec les abonnés? Alors comme je l'ai dit sur Facebook, je serai au salon du fitness à Paris. Donc c'est vers le 20 mars je crois, de mémoire. Ça sera un vendredi, samedi, dimanche. Donc les gens, on se donne rendez-vous là-bas. On se trouve une petite salle, on s'entraîne tous ensemble. On se fait le dos, on se casse le dos. Et après s'en suivra un petit apéro à la wave. Stéphane Auberger, quel est ton objectif? Alors déjà cet été, je vais faire une sèche comme jamais. Mais surtout mon plus grand objectif, c'est de continuer à vous aider, de continuer à vous motiver et de faire en sorte que chacun de vous arrive à atteindre ses objectifs. Romain Caron, quel était ton sentiment lors de ton premier jour à la salle à 17 ans? Franchement rien de spécial, c'était vraiment un jour banal. Victor Pinto, combien de temps doit durer une prise de masse et combien de temps pour une sèche efficace? Honnêtement, il n'y a pas de durée précise, vous pouvez commencer votre sèche à partir du moment où vos abdos commencent à disparaître par exemple. Personnellement, je fais une prise de masse de octobre jusqu'à mars et après le reste de l'année, c'est soit je reste propre, soit je sèche. Maxime Durand, t'es une copine? Si oui, on veut la voir. Bon mon cœur, je crois que c'est le moment. Allez viens, tout le monde t'attend, regarde. Allez, faut pas être timide, allez viens. Allez. Bonjour les gens, je suis la copine à Thibaut et... J'ai vraiment une vie de merde. Plus sérieusement, il se pourrait qu'il y ait une Madame Michel, oui. Charles Chevalier dit, tu n'en as pas marre de manger tout le temps la même chose. Le quoi? Michael Dos Santos, damn Thibaut, combien de temps tu as pris pour avoir un corps musclé comme le tien? Au début, je faisais un peu n'importe quoi comme tout le monde. Par exemple, je pensais qu'il fallait faire les bras tous les jours pour avoir des bras énormes. Puis, petit à petit, j'ai corrigé les problèmes. Et là, ça fait à peu près 5 ans que je m'entraîne. Sébastien Battel. Studio Battel. À part les vidéos de ta chaîne, as-tu un projet en tête? Cinéma ou autre? Honnêtement, sans vous mentir, faire du cinéma, c'est vraiment quelque chose d'incroyable pour moi. Regardez un peu ce que je sais faire là. La peur. Oh non! Oh non! Qu'est-ce qui m'arrive? Non! Arrêtez! Arrêtez! Non! La colère. Oh non! Oh non! Qui c'est qui a piqué ma waille? Non! 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 Ah, c'est l'heure de la collation, je reviens. Peter Jackson, appelle-moi. Antoine Ottomani, la playlist Thibaut. Donc voici une liste des musiques que j'écoute à la salle. Defcon, Power Hour. Defcon 1, Australia. Eminem, Survival. Rob Bailey, What I Live For. Above Only, Evil Never Sleeps. Connect, Jaguar. Tobu and Amp, Running Away. All Week, This Life. White Comic, This Ain't This End of Me. Slipknot, Psychosocial. Call Me Maybe, Kalera Jepsen. Sum 41, The Hell Song. On pourra facilement noter une grosse grosse maîtrise de l'accent anglais. Jérôme Anne Moussa, question plus axée sur toi, quelle étude fais-tu? J'ai fait un bac ES et j'ai fini mon école de commerce cette année, donc je crois qu'on aura le diplôme d'ici 2 semaines environ. Donc en attendant, je gère un site e-commerce et je travaille sur plusieurs surprises qui devraient arriver bientôt pour vous les gens. Loxagé dit, question hyper percutante, est-ce que tu donnes des petits noms à tes veines? Alors là, on va avoir Vincent Van Gogh. Ici, Vein Affleck, qui d'ailleurs, pour la petite histoire, a eu un rôle dans Daredevil. Il doit y avoir Atem Vein Arfa, qui doit se cacher quelque part par là. Là, elle est cachée, mais normalement, il y a Vein Diesel. Vein Stiller, juste là. Et des fois, sur le pec, il y a Kin Vein. Clément Fresno, comptes-tu faire de la compétition bodybuilding fitness? Honnêtement, je pense pas, du moins, pas cette année. Je préfère motiver les gens à faire du sport et à les aider à avoir un mode de vie sain. Pierre Bertimufle, tu es plutôt brune ou blonde ou autre?
petite ou grande, avec des formes ou plutôt fines. Alors comme ça, je dirais blonde avec des mullets, non ! Gentille, 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 douce, intéressante, attendrissante, avec du charme, beaucoup de charme. Dale Humber, combien de temps doit durer l'entraînement maximum? Alors tout dépend des personnes, chacun bien sûr va réagir différemment. Alors personnellement, je m'entraîne entre 1h15 et 1h30 maximum, car après, je sais pas pour vous, mais moi je sens qu'il y a une fatigue nerveuse et je suis plus aussi efficace qu'au début de l'entraînement. Antoine Cholo, like Cholo. Dame, est-ce que tu comptes avoir un dos encore plus énorme? Exactement, comme ça, pendant l'hiver, vous faites des économies, pas besoin de manteau, vous enfilez directement votre dos. Nicolas Ndaragué, Nicolas Ndaragué dit, pour toi, c'est quoi ton plus gros cheat meal? Alors là, actuellement, ce serait un hamburger fait maison de 3-4 steaks avec par-dessus du chèvre miel fondant et... Ah, ça y est, j'ai faim! Kevin Reynes, ta technique ultime pour pécho de la petite. Hey, coucou toi, comment tu vas? Si ça te dit, on peut aller à la salle ensemble, se faire un entraînement et on fera les jambes. Que du squat, que du squat. Et après, on ira prendre le post-workout chez moi et après on fera l'amour comme des... Reviens! Tu vas où? Ça va pas durer longtemps, 7 secondes, un vice maximum, reviens! Et voilà les gens, c'est tout pour moi. Pensez à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner. Merci encore pour votre soutien. J'essaie de lire tous vos commentaires et je fais le maximum pour essayer de répondre à un maximum de personnes sur les messages privés que vous m'envoyez sur Facebook. Donc continuez à montrer votre soutien, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Comme d'habitude, si vous voulez des réductions pour les compléments alimentaires, vous avez tout dans la description. Cassez-vous la salle, donnez-vous la salle, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum!